prendre du collagène. Et pourquoi choisir notre collagène? Le collagène a été lancé en septembre, hein, 2022. Et depuis sa sortie, il fait vraiment fureur. Vraiment, c'est un produit. Puis il y a plusieurs types de collagène sur le marché. Hein. Ah, tellement! Puis doTERRA, c'est ça que je trouve hot. Eux, avant de sortir un produit, s'assurent d'avoir vraiment un produit de qualité. Puis moi, je suis une de ces consommatrices qui aime vraiment avoir une liste d'ingrédients impeccable. Et je vous le dis, même si le collagène est à mode et tout ça, doTERRA, ça faisait déjà plusieurs années qu'ils travaillaient à formuler cette recette-là pour que vraiment on ait des produits de plus haute performance, puis de qualité, puis avec des ingrédients wow. Bien, doTERRA ne sort jamais un produit tant ou si longtemps qu'il n'y a pas la formule désirée, donc la formule top qualité. Au lieu de sortir un produit de type moyen, il va attendre quelques années pour vraiment trouver la source impeccable et avoir un produit top qualité. Là, c'est super simple. Pour préparer votre collagène, c'est un par jour. Sinon, vous pourriez en prendre un ou deux jours. Mais idéalement, dans le meilleur des mondes, c'est un par jour. Donc, c'est vraiment sous forme de poudre et on rajoute 8 onces d'eau. Faire attention, les filles, moi, les premières fois que je le prenais, je mettais beaucoup, beaucoup d'eau. Fait que ça venait que le goût était moins fun. On dirait que je me tannais de le boire. Soit dit en passant, il est vraiment super bon. C'est vraiment bon. Mais dans 8 onces d'eau, c'est parfait. Puis là, tu peux même prendre ta petite mixette, là, Mélanie, puis le brasser comme il faut. Sinon, juste avec une cuillère, il se brasse super bien. Moi, je le mets des fois dans un pot maçon, là. Je mets de l'eau, de la glace, je fais mon couvert, je le brasse, ça se fait super bien. Je trouve ça vraiment hot parce que les ingrédients qui sont à l'intérieur, comme je disais tantôt, sont impeccables. Ça vient de collagène marin, mais ça serait vraiment de dire que c'est comme juste du collagène. Non, c'est pas juste du collagène. Il y a plein d'autres ingrédients qui sont rajoutés à l'intérieur. Il y a, oui, de sources marines. Puis en plus, le collagène marin, les filles, savez-vous que c'est beaucoup plus bioassimilable que le collagène qu'on voit déjà sur le marché bovin ou porcin? Le collagène marin, là, il est vraiment meilleur au niveau de l'assimilation. Dans le fond, pour compléter ce qu'elle mentionne, c'est que quand elle parle de bioassimilable, c'est que le collagène, il est fabriqué naturellement pour que le corps le reconnaisse. Donc, ce n'est pas des ingrédients qui vont être synthétique, c'est ça. Quand c'est synthétique, le corps ne le reconnaît pas, donc le corps ne l'assimile pas. Donc, vous prenez des produits et ils vont ressortir et on n'aura pas les bienfaits parce que le corps ne les aura pas reconnus. Donc, faites attention à ce que vous procurez. Et le fait que notre collagène soit en poudre, dans le fond, c'est que c'est tout comme micro-fragmenté. Okay? Donc, on ne veut pas rentrer trop dans la science, mais c'est micro-fragmenté. Et il va s'activer lorsqu'on va ajouter l'eau et qu'on va le brasser. C'est là qu'il va s'activer. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est bon de le boire dans les 20 premières minutes. Donc, un collagène qui est déjà mélangé en sachet, donc liquide, tout ça, prêt à boire, on ne dit pas que c'est pas bon. T'sais, évidemment, là, il y a d'autres sortes de collagènes sur le marché. Oui, puis les collagènes là, qui sont souvent comme liquides déjà qui sont vendus sur le marché, ils remettent des agents de conservation à l'intérieur. Il y a plein d'autres affaires qui sont rajoutées. Puis aussi, j'ai une fille justement dernièrement qui disait qu'en plus, au niveau environnement, là, c'est vraiment moins écologique, hein, parce que c'est beaucoup plus lourd à transporter des bouteilles de liquide que des petites boîtes de sachets comme ça. Fait que ça laisse une empreinte un peu plus comme éco-responsable au niveau de l'environnement en plus. Là. Et notre collagène, c'est le MetaPower. Ouais, donc, c'est pas seulement du collagène. Donc, à l'intérieur, il y a également le mélange MetaPower qui est vraiment reconnu pour donner de l'énergie, mais également venir travailler un petit peu au niveau des cellules un peu plus adipeuses, aider également à régulariser au niveau de la digestion, élimination des toxines également, et donner de l'énergie. Moi, c'est le plus gros point que j'ai remarqué. Donc, il me le faut vraiment en après-midi, ça me donne vraiment un beau boost d'énergie. Puis moi, depuis que je le prends, là, moi aussi, l'après-midi, j'ai réduit mon café. Tu sais, j'ai moins le goût de prendre du café, puis je trouve que ça permet de soutenir quand on le prend. Des fois qu'il y a une petite collation, je trouve que ça nous aide à soutenir. Puis le brouillard mental, comme tu dis, là, le focus, concentration, oh my God, j'ai vu vraiment une différence. Puis au niveau de la peau, Hey, j'ai pris une photo avant, après l'effet de mon visage, en même pas genre 20 jours. Hey, au niveau ici, là, en dessous des yeux, les cernes, les petites rides et ridules au niveau du front, ici, ceux-là ici, là, c'est les plus remarqués dans le fond, on voit vraiment un effet. La peau, les ongles, les cheveux beaucoup plus brillants, qui poussent plus vite et tout ça. Ma coiffeuse a fait comme, mon Dieu, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as mangé? Mais je disais, ben, c'est mon collagène.
Ça travaille vraiment sous diverses façons. Donc, vous savez, en tant qu'être humain, notre corps est différent d'une personne à l'autre. Donc, pour certaines personnes, oui, ça va être les ongles, les cheveux. Mais pour d'autres personnes comme moi, j'ai aussi vu une différence au niveau des douleurs. En fait, moi, je vis avec des douleurs chroniques au niveau de mon cou. Et je m'en suis rendu compte après l'avoir arrêté durant une semaine parce que j'étais à l'extérieur et j'avais oublié de l'apporter avec moi. Donc, les douleurs sont revenues. Et de mon côté, voilà, ça l'a diminué. Mais comme Mélanie l'a mentionné, moi aussi, au niveau de la peau, ça l'a vraiment changé. J'avais des taches pigmentaires beaucoup au niveau du visage. Ça l'a vraiment diminué. Donc, je le sais que le collagène de doTERRA, il est pour beaucoup. Quand on parle de peau, on parle aussi de la chlorophylle, en fait, qu'on a à l'intérieur. Ben oui, les petites graines noires, là, au début, là, quand on ne sait pas c'est quoi, on dirait qu'il y a des petits grains de poivre qui, sont, qui flottent un peu sur le dessus. Mais sachez que c'est normal, tu sais, c'est pas un défaut ou une erreur. En fait, c'est des petits grains de chlorophylle qui sont là pour vraiment venir aider à l'assimilation, la digestion du produit. La chlorophylle, elle a vraiment des bienfaits au niveau de la régularisation de notre système digestif. On parle souvent du système digestif étant le premier cerveau du corps. Donc, le système digestif, le collagène y est pour beaucoup. Donc, au niveau de la chlorophylle, comme je le disais, le système digestif, mais ça va venir aussi aider à l'inflammation du corps, va venir aider au niveau des tissus. Ensuite, on disait... Articulation. C'est les douleurs, là, ça va aider aussi aux tissus, tous les tissus dans notre corps. Et la chlorophylle aide énormément pour la peau. Là. Si je ne l'avais pas dit, c'est un rappel. Donc, c'est important d'en parler parce que souvent, on va retrouver des collagènes sur le marché où ils contiennent un à deux types de collagènes à l'intérieur. Donc, souvent, on va parler des bienfaits de la peau. Là, pourquoi qu'on parle autant de bienfaits au niveau des articulations, des douleurs et tout ça, c'est que notre collagène contient neuf souches de collagène. Donc, c'est vraiment hot. Vraiment, au niveau des cartilages, la circulation également, là, la santé cardiovasculaire, la peau, les tégumens, tout ça. Donc, c'est vraiment complet. Oui, au niveau du cerveau, c'est très complet. Puis, dans notre collagène, il y a également de la vitamine C. Pourquoi ajouter de la vitamine C? C'est que la vitamine C vient vraiment jouer un rôle pour aider à soutenir la production de notre collagène naturel. Donc, il y en a à l'intérieur également. Donc, il y a plusieurs ingrédients. Ah, puis la vitamine C, là, c'est à l'infini, là, tous les bienfaits qu'on peut retrouver là-dessus, là, c'est incroyable, là, je trouve tellement, là. Il y a également, je trouve ça intéressant de le mentionner, il y a de l'extrait de pomme rose, il y a de l'argousier, hein, qui est très bon également pour le système digestif, de l'acide hyaluronique. Lorsqu'on parle de la peau, l'acide hyaluronique, c'est vraiment hyper reconnu pour l'hydratation et vraiment repulper la peau. Oui, l'élasticité. C'est ça, donc vitamine C et tout ça, puis ça travaille beaucoup, beaucoup au niveau du stress des cellules, le stress oxydatif, donc les taches pigmentaires également. Donc, c'est vraiment hyper complet, on pourrait en parler tellement longtemps. Tellement, les filles, puis... Tu sais, moi, dans le fond, je trouve tellement que c'est un produit, c'est comme une genre de queue de rajeunissement, en fait, là. Tu sais, on rit, là, on dit, on a trouvé notre fontaine de jouvence, mais tu sais, en réalité, c'est un peu ça, c'est que ça va ralentir le vieillissement de nos cellules. Donc, qui veut pas ça, en fait? C'est super, super intéressant comme produit. Puis, tu sais, c'est ça. Puis, à comparer les autres, tu sais, moi, je les connais pas tous, les collagènes sur le marché, il y en a tellement. Mais notre collagène est 12 fois plus bio-assimilable que tous les autres collagènes sur le marché. Donc, le corps le reconnaît comme un aliment. Donc, il n'y a aucun produit synthétique de racheter. Il n'y a pas d'OGM. Les poissons sont vraiment certifiés sans métaux lourds. Donc, tu sais, on a vraiment en plus un collagène qui est de source durable, éco-responsable. Donc, la façon qu'on va aller chercher les poissons. Donc, tu sais, c'est super important aussi à savoir. Tu sais, on veut léguer... une terre en santé, puis une planète en santé à nos enfants, bien, ça part de là aussi quand même. Hein? Puis doTERRA ne produit jamais un produit, comme on disait au départ, sans s'assurer que ce soit la top qualité de façon durable et qui joue vraiment un rôle. Puis le collagène, là, en partie, là, les 9 types de collagène, là, c'est vraiment la densité, l'élasticité et même le bon fonctionnement des vaisseaux sanguins. Ah, oui. Tu sais, c'est sur tout, là. C'est assez complet. Oui. Puis, ben bref, qui veut investir dans sa santé, hein, puis d'avoir un produit vraiment de haute performance, ben c'est ça. Tchin-tchin! Tchin-tchin! Tchin-tchin!
acheter notre collagène, yes! Santé! Et si jamais vous l'essayez, donnez des bons commentaires ou vos commentaires à votre conseillère. On aime toujours avoir vos commentaires. Et sur le collagène, s'il y a un produit qu'on a des bons commentaires, c'est le collagène. Oui. Il devient essentiel dans... Énormément. Oui. Alors voilà! Bonne journée! Bye!